Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Donc ce matin, j'ai un rendez-vous très important. C'est pour ça que je vous ai embarqué avec moi dans ma préparation. D'ailleurs, si vous avez une question sur un des articles, des produits que j'ai utilisés, n'hésitez pas à me demander en commentaire, tout simplement. Donc aujourd'hui, j'ai un rendez-vous très important et je vous en parle après. Mais avant ça, j'ai un peu de temps devant moi. Du coup, je vais aller à la foire fouille parce que j'aimerais bien me prendre un store occultant, voire vénitien, pour mettre au niveau de mon cellier, pour cacher un peu la luminosité et qu'il fasse moins chaud dans le cellier, parce que là il commence à faire extrêmement chaud. Et dans un second temps, on m'a parlé sur ma première chaîne YouTube, Gaëlle Daily Life, qu'il y avait les promos beauté à Leclerc, et on m'a demandé si je pouvais en faire une vidéo. Du coup je me suis dit que ce serait bien d'aller faire un tour, voir ce que je trouve à Leclerc, c'est dans la même zone commerciale. Et de ce fait, je vous montrerai mes petites trouvailles si jamais je trouve des bons plans, tout simplement. Donc c'est parti, on y go, sachant qu'après mon rendez-vous, je dois passer à la pharmacie et récupérer Ambre à l'école. Donc ce matin, la journée est... La matinée est très chargée, voilà. Donc allez, c'est parti, on y go, on n'a pas de temps à perdre. Eh, hey, me revoilà, je viens d'arriver devant l'école de ma fille, j'ai déposé mon chèque à la banque parce que je suis allée régulariser la fin de mon emploi, voilà. J'ai fait, pour tout vous dire, un abandon de poste puisque j'avais demandé la rupture conventionnelle et mon patron n'a pas accepté et il a voulu me faire galérer. Pour l'abandon de poste, donc il est allé au maximum du temps qu'il pouvait au lieu de régler ça en 2-3 semaines puisqu'il connaissait mes prochaines intentions pour mon futur métier. Donc voilà, c'est enfin réglé. Du coup, ça veut dire que je suis libre professionnellement parlant et je pourrai vous parler de ce que je vais faire par la suite dans un petit moment. Donc là je suis devant l'école de Ambre, j'ai déposé mon chèque, je suis allée au magasin de fleurs puisque j'ai acheté une plante pour des amis puisqu'ils fêtent leur crémaillère, puisque pour ceux qui ne savent pas, je leur offre un aspirateur robot, mais comme je ne l'ai pas acheté l'aspirateur robot, on me l'a offert. Donc je me suis dit que j'allais quand même leur offrir une plante, hein, voilà. Donc j'ai pris un rhododendron rose fuchsia, comme le mien, je voulais du rouge mais il n'y avait plus. Et je pense que mon mari va prendre une bouteille de son côté puisque vendredi on est de crémaillère. Et je suis passée à Leclerc aussi pour les promos beauté, je suis passée à la foire fouille. Et du coup je vous montre tout ça en rentrant puisque là je vais aller chercher ma petite fille à l'école. Et il va falloir que je fasse à manger puisque il n'y a rien à manger. Et là il est 11h15 à peu près. Et autant vous dire que j'arrive chez moi, il va être 11h30, midi moins 20. Donc il va falloir faire un truc vite fait, rapido. Donc je vous retrouve après pour vous parler de tout ça un peu plus en détail. Donc ce midi, c'est vite et bien fait, c'est croque-monsieur. Bon, j'ai pas qu'une moitié, j'ai un autre qui m'attend là-bas. C'est juste que Ambre, en fait, elle mange qu'une moitié. Elle ne sait pas en manger un entier, vu que ce sont des grandes tranches. Wali walou. Donc une moitié de croque-monsieur pour mademoiselle. Elle aura un dessert et moi... un croque-monsieur et demi, voilà, j'avais rien d'autre. Donc c'était le plus rapide pour nous. On mangera un peu plus équilibré ce soir. Donc ça y est, on vient de manger, on a pris le dessert. Elle a pris une petite danette à la vanille et moi j'ai pris un liégeois. Donc j'ai reçu un colis, comme ceci. Et je savais pas ce que c'était, j'étais en train de me demander ce que c'était parce que j'ai pas de partenariat qui arrive prochainement. Et j'ai rien commandé, enfin si, j'ai passé une commande hier que je vous montrerai la semaine prochaine je pense. J'ai pris les French Days en ce moment et sur la redoute, niveau literie, linge de maison, ça vaut le coup. J'ai pris un drap housse et un thé d'oreiller pour Ambre Licorne parce qu'il lui fallait un deuxième. J'en avais pris un de chez Action et il m'en fallait un deuxième pour changer une semaine sur deux. Donc ça arrive du coup en point relais, du coup je comprenais pas pourquoi j'avais reçu ce colis. Donc je vais l'ouvrir et on va regarder ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, je sais ce que c'est. J'avais gagné un concours sur Instagram, concours qui a été fait par ma copine Jessica Ancy. Et donc c'était des produits de beauté de la marque Kills que j'avais, j'ai joué, j'ai gagné et je suis très contente. Du coup ça a mis un peu de temps à arriver parce que ils étaient en rupture.
Donc, j'ai reçu, je suis trop contente, le lait corporel. Ah, et Biotherme en plus. Kills et Biotherme. J'avais reçu quoi? J'avais gagné Biotherme, j'ai pas gagné Kills. Oh, mais c'est super ça. En fait, j'ai gagné Biotherme et ils m'ont mis des produits Kills avec. C'est sûrement pour. Parce qu'il y a eu de l'attente, donc c'est trop bien. Parce qu'il y avait un concours Kills, il y avait un concours Biotherme et il y avait un autre concours. Et du coup, moi, j'avais gagné le concours Biotherme. Donc, j'ai gagné le lait corporel. Comme ceci, Biotherme. Donc, je vais tester aux essences d'agrumes. Bon, je ne vais pas l'ouvrir. J'en ai déjà un d'ouvert. Soin bio-main, soin jeunesse des mains, anti-desséchant, fortifiant ongles. Voilà. Et j'ai eu en plus crème de corps nourishing. Ouais, c'est une huile. Enfin, il y a marqué crème de corps, mais c'est une huile nourrissante. Comme ceci. Et une autre crème de corps, mais c'est toujours une huile. Alors en plus, c'est marqué en anglais. Laisse tomber. Moi, je suis pas. Appliquée par massage de peau humide jusqu'à obtenir une mousse onctueuse. Ah, d'accord. En fait, c'est une crème qui. Enfin, c'est une huile qui se transforme en crème. Et là, c'est aussi pour le corps. Donc voilà, deux comme ceci. Voilà. Donc, eh ben, je suis très contente. Je vais tester. Et je pense que Jessica, elle n'est même pas au courant qu'on a reçu des produits en plus. Donc, quand elle va voir ça, elle va dire, ah, cool. Donc, voilà, c'est super. Je suis très contente. Donc, sinon, à la farfouille, j'ai pris un store en rouleur, comme ceci. C'est pour mettre au niveau de mon cellier à la fenêtre. Parce que là, il fait trop chaud et la maison est orientée est. L'est est là, l'ouest est là. Le nord est là, le sud est là. Et du coup, à l'ouest, avec le soleil qui se couche hyper tard, il fait une chaleur monstre. Et si vous entendez du bruit derrière, c'est en bas. Je me suis pris une brosse aussi pour me faire des brushing, enfin essayer. Ensuite, niveau promo beauté Leclerc. Donc, comme j'avais, ça vaut le coup. Gel douche, dentifrice, shampoing, rasoir, tout ce que vous voulez. Moi, comme j'ai déjà fait le plein de gel douche à Intermarché, je vais pas racheter de gel douche parce que j'ai pas de la place pour stocker. Et c'est pour rester dans le sac, ça vaut pas le coup. Donc, j'ai pris masque Garnier vitamine C. C'était à moins 50. Nutribon Garnier à la coco, comme ceci. Et j'ai pris Nutribombe aussi, Hydrabombe, masque tissu au thé. Acide hyaluronique plus thé vert, comme ceci. Voilà, les trois étaient à moins 50%. Enfin, il y avait même un quatrième au charbon, si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai pris du dentifrice rapide action par deux. Et sans se dire, et j'en ai pris trois. Donc, 2, 4, 6, ça me fera bien 6 mois, hein, espérons-le. Ensuite, j'ai pris deux masques Fructis comme ceci. Donc, celui-ci, c'est au baie de goji et c'est pour les cheveux colorés. Franchement, si j'étais moi, j'aurais pris tous les masques. Mais bon, je retournerai prendre la d'autre. Et j'ai pris Air Food à la pastèque pour cheveux fins. Voilà, comme ça, mes filles pourront utiliser celui-là aussi. Ensuite, j'ai pris un lait démaquillant à l'amande, peau normale à sèche de la marque Jeanne en Provence et c'est bio, comme ceci. Et j'ai pris une mousse nettoyante Nae, comme ceci. Après, je pense que niveau gel douche, j'irai prochainement quand j'aurai vidé mon petit stock, refaire un plein, mais au niveau du drive, comme ça ira beaucoup plus rapidement. Et pourquoi pas reprendre les masques, les autres masques, parce que ben franchement, ça vaut le coup. Là, par contre, il y avait moins 40% en ticket Leclerc. Voilà. Et ça, c'était moins 40% de remise immédiate. Et lui, je sais plus. Mais bon, ça valait le coup. Donc, voilà pour mes achats. Je vais mettre en à la sieste et je vous reprends un peu plus tard pour vous faire mon petit topo de ma matinée, de ce qui s'est passé, mon futur boulot, etc. Donc voilà, Ambrelle dort enfin. Et je peux vous assurer que j'ai galéré pour l'endormir. Je me suis mise un petit peu à l'ombre puisque là il est midi, le soleil est juste là. Il va passer du côté ouest et du coup ici ce sera ombragé. Donc tout ça pour vous dire que au niveau de mon boulot,
Eh bien, écoutez, je suis contente d'avoir quitté cette entreprise, hein, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans la grande distribution. Ça fait, j'ai commencé à 19 ans et j'en ai bientôt 33, donc hein, ça fait bien plus de 10 ans. Ce qu'il y a, c'est que dans l'entreprise où je travaillais, je suis toujours tombée sur des entreprises où les employés se serraient les coudes. Et là, on était plutôt vers des employés qui se tapaient les uns sur les autres. J'avais des patrons franchement adorables, voire trop adorables, je trouve, parce que du coup, ils ne voyaient pas ce qui se passait. Et c'est bien dommage parce que certaines, franchement, s'il y avait bien lieu d'avoir des avertissements, certaines, et ben franchement, elles auraient bien dégagé depuis longtemps et elles ne seraient pas restées là depuis 20 ans. Notamment celle qui était censée être ma chef, qui d'ailleurs j'ai croisée ce matin et qui m'a dit: Ah, oh, Gaëlle, mais je t'ai pas vue avec tes lunettes, alors que mes lunettes étaient là et pas sur mes yeux, hein. Et elle me dit: Alors maintenant tu es influenceuse? Alors je suis restée comme ça, j'ai rigolé, j'ai dit: Non, 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 moi je suis pas influenceuse. Oh, mais t'as pas une chaîne YouTube? Ouais, mais je suis pas influenceuse, je gagne pas ma vie avec YouTube. Ah, c'est juste comme ça alors? Ben ouais. Elle, je suis sûre, c'est le style de personne qui passe sous toutes mes vidéos et qui me met un dislike à chaque fois, un pouce vers le bas. Mais je suis sûre qu'elle rate aucune des vidéos, hein, histoire de pia-pia-pia-y. Vous savez, c'est le genre de personne qui n'accepte pas la réussite des autres, qui au contraire est une bonne vieille maquerelle. Voilà, pour faire plus simple, hein. Dites-moi si vous avez quelqu'un comme ça dans votre entourage, dans l'endroit où vous travaillez. Dans l'endroit où vous avez travaillé, parce que concrètement, moi, c'est le cas et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis partie. Quand j'ai quitté le travail parce que j'étais en arrêt maladie, j'ai dit à mon mari, plus jamais je remettrai les pieds dans ce magasin, parce que cette nana, je peux pas quoi, je peux pas me la blairer, elle m'insupporte complètement. Et donc voilà. Donc de ce fait, voilà, c'est fini, une page est tournée et j'ai fait un abandon de poste parce que mon patron ne m'a pas, n'a pas voulu me faire une rupture conventionnelle. Et pour tout vous dire, je vais partir travailler avec mon mari, dans l'entreprise de mon mari. Je vais m'occuper de tout ce qui est administratif et comme ça lui laisse un peu, ça lui enlève des charges. Voilà. Parce que, bah en fait, c'est un peu l'homme à tout faire. Hein. Il a des gars qui sont sur les chantiers, mais il doit être sur les chantiers, il doit négocier avec les fournisseurs, il doit rapporter du chiffre d'affaires, donc il doit aller voir les clients, il doit gérer la paperasse. Donc voilà, je vais m'occuper de sa paperasse. Comme ça, lui, ça lui allégera un peu les tâches qu'il a à faire. Donc voilà, et donc j'avais demandé la rupture conventionnelle pour pouvoir aller travailler avec mon mari qui a une entreprise. Et quand on est entrepreneur, peu importe la boîte que vous avez, ce mois-ci ça peut être bien, le mois prochain ça peut être bien, le mois d'après ça peut être bien, mais 4 mois plus tard ça peut ne pas être bien et la boîte elle peut fermer. Et moi j'avais demandé la rupture conventionnelle pour protéger mes arrières, pour protéger ma famille, pour protéger mes enfants. Il n'a pas voulu, c'est pas grave, je lui en tiens pas rigueur. Du coup, ben, décision de famille. J'ai fait un abandon de poste, tout simplement. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler officieusement. Il va me montrer tout ce que je dois faire. Et je pense que je commencerai au mois de juillet, mais à domicile, en télétravail, puisque j'aurai les filles. Et j'ai Ambre à la maison jusqu'au mois de septembre. Hein, vu qu'elle part à l'école que la demi-journée, qu'il y a encore un mois d'école, donc là je vais essayer de me former avec lui quand il aura le temps, quand Ambre sera à l'école le matin, puisque moi je la récupère ben, à 11h30, donc ça me laisse pas beaucoup de temps. Et par la suite, à partir du mois de septembre, j'irai travailler ben, toute la journée au bureau, vu qu'il a des bureaux qui est dans le village juste à côté de chez nous. Et voilà, une nouvelle vie s'offre à moi. Et ce que j'ai l'intention de faire aussi, et que je n'ai pas encore parlé à mon mari, c'est que j'aimerais me lancer en tant que VDI pour la société Shogun. Donc il y a Lovely Lou qui le fait,
Il y a Iman World qui le fait. Dernièrement, il y a Family Forever qui le fait. Alors, pour toutes celles qui vont me dire, ouais, de toute façon, toi, tu fais tout comme Family Forever. J'adore Tiffen. Elle le sait. Je discute souvent avec elle. Mais c'est pas parce qu'elle fait un truc que je le fais. C'est que ça fait pas mal de temps que j'y pense. Et que ma situation financière le permet pas. Parce qu'il faut débourser 100 euros pour avoir le kit. De présentation, 100 euros que je n'ai pas vu que j'étais en abandon de poste et que je ne touchais pas 1 euro. Maintenant ça se débloque, donc je pense que je vais le faire, mais je me laisse un an. Déjà, attendre le mois de septembre pour que les filles soient totalement à l'école jusqu'à 16h30 et ensuite voir comment ça se passe avec le boulot de mon mari, si je m'en sors, entre le boulot de mon mari, YouTube, la maison. Et une fois que tout ça se sera bien goupillé, là je me lancerai. Moi j'utilise des produits Shogun depuis un moment. J'utilise principalement le produit pour nettoyer les joints. Je vous ai déjà fait pas mal de vidéos sur ma chaîne Gaël Daily Life où je nettoie les joints de carrelage et franchement c'est une tuerie ce produit. Et donc c'est soit, vu que je suis déjà cliente, je prends mon kit et je rentre dans l'équipe de la personne qui m'a fait connaître Shogun. Ce qui serait le plus logique, soit je la joue plus intelligemment et je rentre dans l'équipe de Tiffen Family Forever puisqu'elle est en train de constituer son équipe. Mais bon, pour l'instant je me suis pas encore décidée, j'attends de voir et puis advienne que pourra quoi. Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît. J'ai envie de continuer YouTube, j'ai envie de travailler, mais de faire quelque chose qui me plaît. Et peut-être qu'un jour, j'arrêterai de travailler pour me consacrer qu'à YouTube, mais pour me consacrer qu'à YouTube, il faudrait que j'ai minimum par mois, tous les mois, 1 million de vues. Et c'est pas demain la veille, quoi. Donc, vous comprendrez que j'ai absolument besoin d'un boulot pour gagner ma vie, parce que là, franchement, avec 70 euros tous les mois, c'est ce que je touche sur ma chaîne principale, puisqu'ici, je touche vraiment The Bee, c'est pas gagné, quoi. Hein. C'est pas avec 70 euros qu'on rembourse le prêt de la maison ou de la voiture. Donc là, je suis dehors. Ambrelle d'or, ça va être une petite journée tranquillou. Je pense que je vais arrêter le vlog ici parce que sinon il va être trop long encore une fois. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, j'essaierai de faire une vidéo un peu comme la semaine dernière parce que du coup, ça vous a plu. Et sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une belle journée. Profitez du soleil parce que là, il fait bon, il fait chaud. Moi, demain, ça va être grosse journée motivation ménage pour la vidéo de dimanche. Je vais essayer de filmer toute la journée pour m'avancer puisque vendredi on n'est pas là. Dimanche on récupère le chien et lundi on risque de récupérer lundi, enfin dans la semaine, à partir de lundi on risque de récupérer le chat. Donc dans tous les cas, pour la semaine prochaine, il y aura de nouveaux arrivants dans notre famille et j'ai hâte de vous les présenter. J'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, je vous remercie de me soutenir. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne et je vous en remercie. Je ne le fais pas souvent mais ça me tient à cœur. Et puis moi j'adore vous partager toute ma vie. Donc sur ces belles paroles, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous bisous. Ciao.